plaire, il faut un peu d'entraînement. Oui, parce que si le code pendant 3 semaines, ça va pas le faire. Tu dois monter plus droit. Oui, mais non, c'est juste droit, c'est juste là. Oui. Déjà. Et tu dois pas griffer mes valises hein, quand tu montes. Oh, je vais m'occuper de ça, je t'ai déjà pas connu du tout. J'ai l'impression quand même que ce pare-brise est un petit peu déformant. Déformant? Oui, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, après je peux l'abaisser, mais je peux pas l'abaisser de trop sinon. Mais, oui, mais le but c'est de l'utiliser. Oui, oui, non, mais c'est très bien, il protège très bien, mais. Tu peux aussi baisser quand il fait trop chaud. Je dois pas avoir ça dans mon champ de vision. Ah oui, oui, comme ça qu'il faut commencer, hein. Des petits entraînements au fur et à mesure, des petits trajets, et comme ça tu vas te sentir. Non bah allez, ça va, je vais y aller. T'as pas les jambes trop pliées à l'arrière. Pas en début, non. Si jamais tu sens à un certain moment que tu attrapes de la fatigue dans les genoux, tu ne dois pas hésiter à lâcher le repose-pied et tendre ta jambe un petit peu. Beaucoup de vent. Ça va, moi, le vent. Mais ça va, la machine elle fait près de 300 kg, elle ne va pas bouger comme ça. Hein. Oui, mais c'est moi qui bouge, et moi je ne pèse pas 350 kg. Tu vas pas t'envoler non plus. Dis pas de bêtises quand même. En tout cas, je suis vraiment content qu'ils aient équipé la moto de Metzeler. J'ai vraiment une très bonne sensation avec ces pneus. J'avais pas la même sensation avec les Michelin, les Dunlop. Mais ça dépend des dossiers. T'as souvent 1000 références, qualité. Oui, c'est sûr. Mais jusqu'à présent, bon, même sur la 750, là, j'avais mis les Metzeler et c'était pas encore le Next 2, mais ça tenait bien. Je sais pas, ça donnait un sentiment de sécurité. Maintenant, il y a certainement, oui, d'autres gammes hein, dans chaque marque. Mais bon, après, je l'ai mise en dynamique, hein, donc les suspensions sont un petit peu plus fermes. Ça va, ça te tape pas, avec la selle c'est quand même assez confortable. C'est une grosse botte à taper, je crois. Non mais je te dis, tu sens pas au point de dire ouais, ça fait mal ou... Ici ils sont, voilà, ces stries ils vont jamais refaire, ils sont occupés à faire un truc sur le pont, je sais pas encore pourquoi. T'es bien sur ta selle aussi, non? Non, t'as des prises. Mais non, mais ça va, il n'y a aucun souci. La machine est très bien équilibrée, tu n'auras aucun problème. Ça bouge un petit peu sur les stries, c'est normal, mais bon, après. D'avoir mis des chaufferettes sur la terrasse, mais ils les utilisent jamais, donc il y a peu de gens qui vont à la terrasse. J'ai entendu le klaxon sur cette machine. Non. Ouais, au moins là on t'entend. Hein. On s'en va, t'inquiète.
C'est à la machine plus notre poids, on va pas partir comme ça. Hein. Non mais moi peut-être tout seul. C'est n'importe quoi. Curieux de voir ce que ça va donner cet établissement là avec les. J'ai encore une petite place là. Ils m'ont pris toute ma place. Oh. Ouais, tu vas savoir faire ça très bien. Moi. Je vais mettre là. On est en Inde. Pourquoi en Inde? Parce qu'on nous regarde aussi tout le temps. Mais ils demandent pas des selfies, hein. Ils aimeraient peut-être bien. Hein? Ils aimeraient peut-être bien. Oui, c'est sûr. Tu vas passer là, hein? Non, je vais aller là. Hein. Moi, je ne mets jamais sur la place. C'est peut-être plus facile.